Mais pour l'instant, je dirais de faire attention à ça et déjà de définir qu'est-ce que ça veut dire tout plaquer pour la danse. Est-ce que ça veut dire partir ou est-ce que ça veut dire essayer de me lancer là avec ce que j'ai sur place? Il y a deux types de personnes. T'as ceux qui n'ont rien à perdre parce que, je sais pas, parce qu'ils sont étudiants, parce qu'ils vivent chez leurs parents ou parce qu'ils ont envie de faire une reconversion et niveau financier, ils n'ont pas trop de problèmes à se poser. Moi, j'étais plus dans l'autre camp. C'est-à-dire que voilà, j'avais un loyer à payer et j'avais des choses qui faisaient que il fallait que je sois stratégique dans le fait d'apprendre à vivre de mon art. Aujourd'hui, je suis très fier et j'ai énormément de chance de me lever le matin et de faire ce que j'aime toute la journée. Et même si j'ai une journée variée et que ce que je fais le matin, c'est pas ce que je fais l'après-midi, c'est pas ce que je ferai ce soir. Mais du coup, on peut vivre de la danse. Tout plaquer pour la danse, ça me semble un peu compliqué et moi, j'opterais plus pour le fait de faire monter dans ton temps libre progressivement tes compétences dans ta passion jusqu'à, c'est ce qu'on m'a appris du coup et c'est ce que j'ai essayé d'utiliser pour moi, jusqu'à atteindre un niveau où soit ton revenu grâce à tes activités liées à ton art et à ta passion commence à tutoyer ton revenu, ton autre revenu, tu vois, d'étudiant ou ton revenu à temps plein ou à 50%, et à partir de là, tu peux commencer à prendre une décision. Ou bien, toujours de faire grandir tes compétences et ton revenu et tes opportunités en tant qu'artiste et danseur. On va parler de la danse aujourd'hui. Et lorsqu'on va te proposer une grosse opportunité, tu vois, par exemple partir sur une tournée un an, etc., bah là, tu commences à réfléchir pour pouvoir remplacer ce que tu faisais avant. Mais partir de zéro et se dire, ah bah juste, moi j'aime la danse, j'ai commencé à danser il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, et j'ai envie d'en vivre et je plaque tout. Ça dépend ce que tu fais, tu vois, mais si tu as des choses à perdre, je te dirais autant avoir le beurre, l'argent du beurre. Donc voilà, la leçon numéro 1, c'est de se dire toujours chercher à avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu vois, ne pas toujours couper au milieu, tu vois, trancher et de savoir se dire, ah mais soit je fais ça, soit je fais ça en fait, soit je vis de la danse, ou soit je travaille à temps plein. Mais de toujours chercher à faire les deux et à marier les choses plutôt que de prendre des décisions où on doit faire un choix entre eux. Toujours, toujours, toujours chercher à se dire comment je peux avoir les deux.